Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Donc j'ai récupéré le tombeau de Bjorn et donc je vais pouvoir aller le rendre à l'Académie des Bardes de Solitude. Je sais pas si vous avez remarqué, à la toute fin, vraiment à la toute fin, quand je faisais l'outro du coup de l'épisode précédent, j'ai jeté un bref coup d'œil vers ma gauche pour vous du coup. Et c'est parce que je regardais par la fenêtre et il y avait un coucher de soleil qui était magnifique. Du coup j'ai pris quelques photos, dès que j'ai fini d'enregistrer l'épisode, j'ai foncé pour aller prendre ces quelques photos. Et j'ai bien fait parce que là déjà les couleurs ont quasiment disparu, donc tant mieux. Bref, oui, maintenant que j'ai dit ça, on y va. On essaie de pas perdre de vue nos objectifs. J'aime bien la récompense qu'ils donnent à l'Académie des Bardes de Solitude. Parce qu'il s'agit de... Putain, je t'ai pas reconnu avec ton marteau et tout là. Solitude ne serait pas la Parce même qu'il sans le s'agit de signal points de du feu compétences en de la fait. ville C'est. Enfin, points de compétences, mais d'augmentation de niveau de compétences. Et ça, c'est chouette. Je kiffe sa race, t'as vu? Hein? Hein? C'est toi le hein? On va ranger ça avant qu'on fasse une bêtise. Allez, encore en train de pioncer. Ah non. Quel Excuse-moi, j'ai été mauvaise langue. est-il? Je suis le doyen. Enfin! Ça fait 20 ans que je cherche ce tambour. Bah t'es pas trop loin, tu Les pourrais y aller finances de toi-même, hein. l'académie ne sont pas au mieux en ce moment, mais je peux vous montrer quelques astuces que j'ai apprises quand j'étais à l'armée. Que 3? Oh. Il faudrait que je Je retourne à mon m'attendais à travail. plus. Faudrait que je parle au patron. Déjà pour ça, faudrait que je le retrouve. T'auras pas d'autres. Mon travail comme Ouais, voilà. doyen d'histoire couvre un large éventail de matières. J'enseigne la poésie, l'écriture, l'histoire. Ah, viens, mot. Bienvenue à Solitude, foyer des arts en bord de ciel. Il est toujours agréable de rencontrer. Pas tellement. Mais en tant que barde, je trouve tout cela totalement déprimant. Il n'y a pas de héros dans cette guerre, pas de vainqueur et aucune issue réelle. Excusez-moi. S'il y a une chose que les bardes connaissent bien, ce sont les dragons. Bord de ciel, c'est bien ça. Dans 1000 ans, Bord de Ciel aura changé 100 fois de dirigeant. Mais le retour des dragons, ça n'arrive qu'une fois par ère. Que savez-vous sur les dragons? Assez peu de choses pour tout vous dire. Leur retour nous a tous surpris. Jiro Geman doit avoir quelques livres qui en parlent à la bibliothèque, si cela vous intéresse. Est-ce que j'ai fait un peu le tour ou pas? Eh bien, vous alors! Si seulement tout le monde se comportait comme vous l'avez fait. Dame Ateya dit que ma voix est la plus belle. Si on est pris fin. Mais elle me sous-estime. Je crois que j'ai fait un peu le tour de l'académie en fait. Ah, elle a trouvé l'huile de fine. Bah, je l'ai fait du coup. Ouais. Bah vous savez quoi? Regardez, on va laisser une petite exploration, on va passer à la maison. Bah à la fin de la toundra évidemment. Ah attendez, il y a encore des gens Que ici. voulez-vous? Les jarls vont et Le viennent. plus jeune barde de l'académie. Puissent les dieux veiller Ah non, sur mais en fait je vous les avais déjà tous vus. Et je suis excellent. Elle est bien cramée lui, hein. Ok, bref, alors du coup, on va aller à la fin de la toundra. On va déposer nos babioles. Et ensuite, on va laisser explorer un petit fort que je n'avais jamais exploré jusqu'ici. Ah, papa! T'es rentré? Eh, j'ai un cadeau pour toi. Des J'espère ingrédients? qu'il te plaira. Ouais, la lavande. Alors... J'ai deux fois le bâton de Haldir, exactement le même. Ah, j'avais récupéré ça, j'avais pas fait gaffe. Ok, en tenue. J'ai des trucs, je le sais. Déjà, il y a ça. Ça.
Ah, j'ai récupéré quand même quelques trucs sympas. Hein. Alors, on va désenchanter 2-3 babioles. Ça. Lune noire. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. Renfort de nécromancie. Et si je vais enchanter... Alors, lune noire, c'est quoi? Magie plus 40 points. Régénération de santé de minute 30%. Et renfort de... Je sais plus quoi. J'ai déjà oublié. C'était quoi déjà? Renfort de nécromancie, voilà. Ok. Je pourrais me faire une armée qui combattrait avec moi. Genre en mode nécromancie. Sorte de conjuration qui dure plus longtemps. Avec en plus, je fais apparaître des créatures. Je fais apparaître genre plusieurs atronacs, plusieurs, je sais pas, des créatures de tous les côtés, ça serait chouette. Oh ouais. Faudrait que je vois une armure full nécromancien comme ça, ça pourrait être sympa. Pas mal ça, ce petit renfort de nécromancie. Ok, maintenant que ça c'est fait. On va déposer nos ingrédients. Nos potions qui ne servent à rien. Nos gemmes spirituelles. Et là, j'en ai eu pas mal en plus, des sympas. Bien, on va toutes les poser... Ok, et enfin, voilà, merci. Ah, ça m'agace quand ça fait ça. Hein. T'as pas l'impression de te patcher toi là? Ouais, dégage. Alors, parfait. Je vérifie qu'il n'y a pas un cheval qui vole avec son maître. Hein. Vu que ça nous a fait plusieurs fois le coup. Ok. Alors, du coup, ce que je vous avais dit, c'est qu'on allait justement essayer d'aller visiter un fort que je n'avais jamais exploré. Ici, là, vous voyez, fort Rastagd. Et en plus, il se trouve, je viens de tilter. Mais regardez, quand je vais dans mes quêtes, dans divers, il y a celle-là. Fort Rastagd, pour trouver les 7 d'armure de cœur de Netch. Et justement, on va y aller. Tout simplement. On va se téléporter à la grotte du crâne de loup. Et puis on va passer une petite visite au loustique qui habite ici. Ouais, je me disais bien que j'avais vu quelque chose. Non mais oh. Et mon cheval, il a disparu à cause de vous. Un lingot d'argent sur toi. Je sais même pas où il est passé du coup. Faites attention. C'est barré. Bon, bref. Il est là-bas. On a même droit à un petit chemin qui nous y emmène. C'est-il pas beau tout ça? Ah, j'aime bien cet endroit-là. Dans les hauteurs, avec un terrain assez plat.
de l'espace et une bonne lumière pour bien voir où on met les pieds. Non, pas le temps. Bon. Il n'y a plus personne. Tant mieux. Un jeu d'un Dwemer, c'est pas banal. Ah, il y a encore quelqu'un. T'as pas envie de crever au bout d'un moment? Et toi là? Ça méritait une cinématique, moi je dis. Hein. Ah, j'ai des musiques des Red Hot Chili Peppers dans la tête. Alors toi t'es en haut de ta tour, c'est ça? T'inquiète, j'arrive. Eh, je suis derrière toi. Vous avez pleuré, c'est ça? Ah, je l'ai désarmé carrément. Ne me tuez pas. Voilà, reste là. Je m'occupe de toi. 113 pièces d'or. Pas mal. Voilà. Il fait le poirier, hein. Il est très fort. Hein. À la une. À la deux. À la 3. Bon. M'attendais que ça fasse plus un peu sprouch sprouch que ça, quoi, mais. Des petites flèches de foudre, j'apprécie. Ok. Et encore là-bas, y a un gars. Depuis tout à l'heure, on fait un barouf et je suis toujours pas rentré dans l'endroit quand même. Hein. Ça, la flèche d'orge que j'ai récupérée, c'était la flèche de A et là. Je sais pas. Allez, bah maintenant on peut rentrer, je pense. On a fait le tour. Je vais juste un coup d'œil ici. Il y avait une petite entrée là d'ailleurs. On aurait pu rentrer en moins frontal, mais bon, ça aurait été moins drôle. Allez, go! Dans la cheminée. Je vais pas y rentrer, il est pas drôle. Il est nul. Je savais que je vous trouverais. T'as besoin d'aide ou... Bon d'accord, ok, j'ai compris. Elle a besoin d'aide. Vas-y, occupe-toi de l'autre. Ah, monsieur le chef des bandits. Bon alors, attends, je vais t'aider. Voilà, alors. Bouclier orc. Pourquoi pas. Bouclier Dwemer, on s'en fout. Épée Dwemer de flambée. Pourquoi pas, ça on s'en fout, ça je prends. Non, ça je laisse. Pas je lèche, je suis con moi. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte? Ah, le fameux, la fameuse combinaison. L'arrière-garde, ok.
Botte de vitesse aveuglante. Offre au porteur une vitesse aveuglante. Ah, c'est les fameuses bottes qui font qu'on devient visible, qu'on devient aveugle, mais qu'on va très vite. J'ai dû vous exploser les tympans, je suis désolé. Genre, il y a vraiment que ça. Ah non, voilà, au-dessus il y a des trucs. Je me disais bien. Merci, tout ça pour la potion quoi. Faudra trop que je teste à l'extérieur sur le terrain qu'il y a devant. Vous inquiétez pas, j'ai pas loupé le coffre. Je l'avais bien vu. Oh bah ça, j'ai récupéré pas mal de crochets. Ouh, c'est quoi ça? J'ai récupéré pas mal de crochets, dis donc. Hop, livre. Ah bah oui, évidemment. Là, pour trouver le bouquin que j'ai chopé. J'ai dans le cululu, quoi. De toute façon, j'ai même pas retenu le nom, encore une fois. Bon, tant pis. Une armure à bandes. Le ruban d'or du mérite. Ça méritait qu'ils aient marqué un truc avec la carte et que je puisse aller l'explorer du coup. Mais je crois qu'on a fait le tour en fait. Si à cet endroit là, il y a la table basse avec peut-être une pièce d'or dedans, mais même pas. Bouh. Visiblement on a fait le tour du château qui était relativement très petit. Pour pas dire excessivement petit en fait. Allez hein. Sort de là, on va tester cette fameuse botte. Alors, tenue. Objet. Tenue. Comment je fais pour voir à quelle vitesse je vais? Ah, pousse-toi. Là, si je fais 1, 2, 3. En 3, je suis ici. Donc, je suis même pas au niveau de l'arbre en 3 secondes. Maintenant, on va faire tenue, botte. 1, 2, 3. Je suis déjà dans la cour du château. Ouais, je vais 2 à 3 fois plus vite, pratiquement. Sauf qu'on voit strictement rien malheureusement. Alors, potion. Non, tenue. Oui, tenue. Et moi, c'était quoi comme botte que j'avais? Celle-là. Ok, bah chouette. Alors, ce que je vais faire par contre, si j'allais faire de la toundra, je vais voir si je peux pas daze les bottes. Je crois pas, hein, honnêtement, de vous à moi, je pense pas que ce soit possible. Mais ça serait marrant si c'était possible. Oh, la lumière est si belle. T'es rentré. T'as un cadeau pour moi? Je peux avoir un peu d'argent? Oh. Je suis pauvre, tu sais. Non, on peut pas, c'est ce que je pensais. Ok, bon, on va tout foutre dans le coffre. Tenue. Alors, un autre conjuration majeure. Ok, bon, ça on laisse. Ça, on va poser. Ça, on pose, on pose. Ok, et en armes. Je me sens que j'avais dégoté 2-3 trucs encore une fois. Ouais, c'était ça. Ok. Hé, papa!
Bah c'est bien, on a exploré un endroit, on a fait une mission en plus. Chouette. Alors, au niveau des quêtes. Ça me semblait que j'avais bien trouvé. Demander à Aldi des informations sur la fille de Angeline. Pourquoi pas? Attendez. La quête qui est tout en bas, celle-là, j'avais déjà demandé à la faire, je crois, non? C'était un moulin, si je me souviens bien. Enfin, une scierie, quoi, vous m'avez compris. Je crois que c'était celle-là. La famille de Lefnar de son décès. Il y a juste moi et ma mère à la scierie. J'espère que vous n'êtes pas là pour faire la bagarre. Sinon, moi, je vais vous battre. Et le problème, c'est qu'elle est buggée, cette Cathy, je me souviens bien. Vous voulez du travail? Oui. Je suis seule avec un enfant. C'est quasiment peine perdue. Depuis le départ de Lefnar, ouais, voilà. J'ai vraiment du mal à joindre les deux bouts. À ce rythme, quelques saisons suffiront pour mettre la clé sous la porte et vendre les lieux. Malheureusement, on peut pas lui annoncer que Lefnar Arrêtez est... Arrêtez de nous exploiter et le monde sera meilleur, compris? Mais tu vas la fermer, oui, j'ai rien fait, moi, oh. Je peux vous aider? Hein? Mais t'es agressif, c'est dingue. Alors, du coup, on va virer cette quête-là, c'est rien, on va faire ça là, du coup. Où est-ce que je dois me rendre? Ça commence à être tellement un fouillis sur la map. Là-bas. À Solitude à nouveau? Ok. Ah, c'est là-haut, visiblement. Attendez les gars, tirez pas. Voilà. Merci pour vos flèches. J'attends. Capitaine Angeline m'a demandé de vous renseigner au sujet de sa fille. Généralement, ce type d'information n'est réservé qu'aux personnes concernées. Je pense qu'il faut qu'Angeline le sache. Cela fait longtemps que j'essaie de trouver le bon moment pour l'en informer. Sa fille a été envoyée à Blanche Rive, où les échauffourées sont violentes ces derniers temps. Le légat de la ville avait besoin de connaître les positions des sombrages. Il y a envoyé des éclaireurs dans cette zone. Ils sont tombés sur une vaste troupe. On m'a dit qu'aucun n'était revenu vivant. Le soldat Morar, la fille d'Angeline, était l'un d'entre eux. Il faut que quelqu'un la mette au courant. Ok, bon, on va lui prévenir que sa fille est peut-être morte, si j'ai bien compris. C'est triste. J'ai dit ça avec tellement de conviction, j'y crois. Enfin, tu me crois même pas moi-même, quoi. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Oh. Non, non, je ne suis qu'une simple herboriste. Mais l'ami immortal. L'ami immortal devrait pouvoir vous aider. Chouette. Vous avez convaincu Aldis de vous parler. Je savais que vous réussiriez. Qu'a-t-il dit? T'emballe pas. Apparemment, votre fille est morte. Je l'avais prévenue. Je lui avais bien dit que l'armée impériale la tuerait. Que c'était une guerre entre les Jarls et les généraux impériaux. Et que nous n'avions pas à nous y mêler. Elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai de la peine pour elle. C'est très courageux. Ça, c'est vrai, de votre part de me l'annoncer. Je ne peux pas vous remercier de l'avoir fait. Mais vous m'avez rendu service. Ok. J'espère que vos parents sont fiers de vous. Ils ont toutes les raisons de l'être. Oh, bah c'est marrant, je peux me servir. Au breuvage d'Angeline. What the fuck? Avez-vous besoin de potions à base de plantes? Ah, là je peux pas. Mais y a plein de trucs que je peux prendre. C'est quoi cette histoire? Mais what? Ok.
Ah ça c'est pas banal ça. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait se servir chez elle comme ça. Ok, bon. On va s'arrêter là en tout cas pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao, c'est Looping. Bye bye.